Bonjour, bonjour à tous, c'est Lucas RT. On se retrouve pour ce 16e épisode de God of War sur PS2. On s'était arrêté ici la dernière fois, donc on va un peu regarder autour de nous ce qu'il y a. Parce que voilà, j'avais vu qu'il y avait des trucs avant de sauvegarder. Donc moi, ça fait, sans vous mentir, plus ou moins une semaine, non, 5 jours plus ou moins que je ne tourne pas. Parce que je suis en période d'examen et c'est très compliqué. Parce que voilà, cette semaine, j'ai presque pas dormi, enfin je dormais pas bien, je me réveillais trop tôt. Parce que je devais étudier, j'avais examen, etc., etc. Donc cette semaine, ça a été la merde. Mais j'ai quand même su mettre des épisodes tranquillement. J'ai su faire mes montages comme ça, vite fait. Pendant mes heures de libre. Enfin, les peu de temps libre que j'avais, tu vois. Donc voilà, c'est compliqué la vie d'étudiant. Et ouais, en plus, des fois, tu te donnes à fond, comme moi par exemple, et pour rater un examen. Donc c'est casse-couille. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai le temps de tourner. Qu'est-ce que c'est que ça qui est apparu ici? C'est rien. En tout cas, j'espère que ça bug pas. Sinon, je vais péter un plomb. Alors, on est où ici? Je sais pas vers où on se dirige. Mais c'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. Non, je rigole. Donc, on va descendre là. Donc voilà, je disais aujourd'hui on est vendredi, j'ai un peu le temps de tourner, tu vois, c'est tranquille. Mon prochain examen c'est lundi. Mais bon, j'ai samedi, dimanche pour l'étudier. Donc ça peut aller à mon avis. En tout cas j'espère, en tout cas il faut que ça aille. Parce que sinon, je vais me sentir un peu baisé, tu vois. Oh la putain de merde, là on a vu Shaitan. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, ça sent la merde, hein, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Oh non, 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 il y a des ennemis. Putain, comment je vais faire? Aïe, 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 putain. Non. Ah, mais il y a des tapis roulants. Putain, les gars, c'est baisé. Oh putain. Oh putain, des. Oh! Oh putain, mais quel est ce bourbier? Quel est ce bourbier, les gars? Putain, quoi, mec. Je me suis fait baiser, mec. Oh putain, les gars. Comment est-ce que je vais faire ici? Oh putain, ça sent la gale. Aïe, 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 ça sent la gale. Il y a des flammes qui sortent d'ici, en fait. Oh putain. Oh putain. En fait, tu peux même pas te poser sur les rebords là parce que tu te fais cramer. Il faut que j'aille tuer les archers là parce que sinon. Toi t'es mort, fils de pute. Ah putain, je vais perdre des vies, mais vous avez même pas idée à quel point. Hein. Les harpies, mon gars, qui nous cassent les couilles en plus. Comme s'il y en avait déjà pas assez. Oh putain, on sent que la fin du jeu, les gars, n'a pas été bâclée. Hein. La fin du jeu, on la sent là. Regardez-moi ce bourbier, putain. Allez, go. Kratos, mais casse-toi, putain. Oh là là, les gars, comment je vais galérer ici. Ça sent la coupure, mais à plein nez comme ça. Oh putain, les gars. En fait, le feu, si j'ai bien compris, le feu il s'active dès que je monte sur le truc. Hein. Donc on doit monter, tuer le mec et se casser au plus vite possible. On va déjà aller au fond, niquer ces petits enculés ici. Là aussi, il y a le feu. Hein. Sur les côtés, là. Oh putain, les gars, qu'est-ce que c'est chaud. C'est très très compliqué, putain. J'y arrive pas, hein. Je me fais défoncer de derrière, de devant, comme une salope, tu vois. Comme une pute, hein. Toi, fils de pute, tu... Non, t'as bondi, mec. Ah, t'as bondi, mec. Putain. Oh putain, les gars, quel enfer!
Ah, crève. Putain, mais il repop à l'infini, c'est pas possible. Mais ils viennent pas à l'infini, dites-moi que c'est pas vrai. Allez, on dégage. Oh putain, les gars, mais c'est ingérable. J'ai invoqué les trucs d'Hadès là, mais je sais pas si ça m'aidera beaucoup hein, avec tous les ennemis qu'il y a. Déjà là-bas, il y a plus d'archers. Il y a plus d'archers qui pop là-bas. C'est très bien. Tout au fond là. Sur les côtés, apparemment non plus, il y en a plus. Donc là maintenant, il faut que je tienne le coup avec les harpies. Faut que je me mette là. Hein. Ah, je peux pas me mettre au milieu, vous avez vu? Il nous baisse quand même. Hein. Ah putain de merde. Quel enfer putain. Oh Nalchetan. Putain de merde. Mais me dites pas que les harpies viennent à l'infini. C'est Oh putain c'est bon. Oh là. Putain de merde! Oh là là, le jeu, mais qu'est-ce qui devient chaud? Putain, les gars! Oh, oh, oh. C'est bon. Plus de peur que de mal. On a quand même réussi, je pense, au troisième coup. Un truc du genre. Ça va. Du moment qu'on passe, qu'on ne met pas 10 ans dessus, c'est bien. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la boîte de Pandore? C'est quoi cette merde? Statue des trois dieux. Les trois dieux frères, les seigneurs Hadès, Zeus et Poséidon, bien entendu. Ok, et ça? Oh, elle est là! Elle est là, la boîte de Pandore, ma gueule! Enfin! Ah ouais, ça, on touche la fin du jeu. Hein. Parce qu'une fois qu'on prend la boîte de Pandore, c'est entre guillemets notre but ultime, tu vois, c'est de prendre ça. Kratos, votre quête touche à sa fin. Vous êtes le premier mortel à atteindre la boîte de Pandore. T'es le premier mortel. Vous pouvez encore sauver Athènes. Rapportez la boîte dans ma cité et utilisez-la pour tuer Arès. Ouais. Retournez à Athènes, Kratos. Allez sauver ma cité. Maintenant, on va devoir défoncer Arès, là. Ça, je m'en rappelle. Je me demande si on devenait géant aussi. Ça, je m'en rappelle plus, par contre. Parce qu'Arès, c'est un géant. Hein. C'est un guerrier géant, là. Je me souviens plus si on devenait géant ou s'il rétrécissait. Mais à mon avis, je pense qu'on devient géant. Et qu'on fait un combat vraiment de fou, tu vois. En mode tous les deux géants et c'est le bourbier. Oh, putain. Il me fait stresser ses yeux. Hein. Vie de ma mère. Alors j'espère qu'il n'y a plus de séquences de fils de chien là, comme il y en avait eu. Waouh, on est sorti où là? Oh putain, on est au tout début. Rapportez la boîte de Pandore à Athènes, Kratos. Vous ne pouvez vaincre Arès sans elle. Attends, vous avez vu, on est sorti. Il y avait un ascenseur exprès qui sortait de la boîte de Pandore vers là. On a dû faire tout un putain de détour alors qu'elle était juste au-dessus de notre gueule, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ainsi, Kratos. C'est... Vous ne pouvez quitter le temple sans la boîte de Pandore. Bah oui, bah je dois faire quoi, gros? Ah, je dois la choper, je dois la tirer. Ah ouais. Je dois tirer la boîte de Pandore, mon gars. Ok. La boîte de Pandore. Oh putain. Je me demande le 2, le God of War 2, c'est quoi l'histoire en fait? Parce que là, ok. On a atteint notre but, tu vois, au final. On a pris la boîte de Pandore, on va tuer Arès. Et après, ça sera quoi notre but, vu qu'on sera délivré de toute souffrance, tu vois. C'est comment encore, hein? C'est comme ça. Putain, elle est toute lourde, elle bouge même pas. Hein. Donc en gros, ouais, c'est... Enfin, on a atteint notre but, tu vois. Enfin, on va atteindre notre but, là, dans ce jeu-là. Après des milliers d'années, la boîte de Pandore put enfin être libérée. Kratos avait trouvé le moyen de détruire le dieu de la guerre,
Loin de là, à Athènes, Arès sut que Kratos était parvenu au bout de sa quête. Ainsi, Spartiate, vous avez retrouvé la précieuse boîte de Zeus. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour l'avoir ouverte. Il fait peur lui aussi, hein. Putain. J'y veillerai. Adieu, Spartiate. Ouais, donc le mec, vous irez dans les profondeurs des enfers pour l'éternité, donc le mec entière. Oh putain! On dit que la vie quittait le corps de Kratos. Mais jure! Ça à cette nuit fatidique. Mais non! Même dans la mort. Ça, je m'en rappelais pas. Les souvenirs, les visions ne disparaîtraient pas. Le mec carrément, il lance un truc de 10 millions de kilomètres et il avait fait couler le sang de sa propre famille. Ah ouais, il a tué ça, je me rappelle, il avait tué sa femme. Un tour cruel, je pense. Orchestré par le dieu de la guerre. Tellement il était, ouais. Tellement il était assoiffé de sang et de victoire, le mec, il a tué sa femme et tout. Putain, mais là. Évoluer comme je l'avais imaginé, Kratos. La lance, mon gars. Votre femme et votre fille sont mortes. Plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir la mort en personne. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Arès ! À partir de ah ouais, cette ça, nuit, ça reprend en fait l'histoire. La marque de votre terrible crime sera visible par tous. Les cendres de votre femme et de votre fille resteront collées sur ça, c'était l'oracle de l'époque. Jamais elles ne s'en iront. Avec cette malédiction, nul ne pourrait ignorer. Ah, c'est pour ça qu'il est devenu blanc. La peau blanchie par les cendres de sa famille trépassée. Mais le non. Le fantôme de Sparte était né. C'est pour ça qu'il était plus bronzé dans les cinématiques. Finalement, dans la je comprenais pas. Il avait échoué. Oh putain, le mec. Que les serviteurs d'Arès. Mais non. De la boîte de non. Kratos s'éteignit et son âme maudite fut jetée. On a fait tout ça pour rien. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Putain, là je suis perdu. Le mec, l'autre chien là, il lance une lance de précipité dans l'autre monde, attiré dans le Styx dont les courants étaient assez puissants pour transporter le plus fort des mortels. Quel bordel. Jusqu'à son lieu de repos éternel. Mais Kratos n'avait pas l'intention de se reposer. Il avait l'intention de vivre, de revenir sur Terre et d'achever sa mais tête. Il est chaud, lui. Il s'accroche. Lâchez-moi. Il veut pas tomber. Vous ne m'entraînerez pas dans ce fleuve maudit. Il me reste une tâche à accomplir là-haut. Oh putain, quel malade. Encore vous. Encore lui. Ah ouais, c'est le mec du début avec la clé. Putain, mais c'est stylé, alors c'est pour ça que sa peau est blanche et tout. Maintenant on comprend un peu mieux le délire de l'histoire en fait. Ok. Putain, on est dans l'enfer hein, quand même hein. On est en enfer les gars. Quel bordel. Ah ouais putain, mes vies elles sont pas restaurées ni rien. Ok. Alors quoi. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ça sent quand même un peu la merde hein. Et... Il y a quoi là sur les côtés? Ok, attendez. Là, il y a un corps. Oh putain, je suis déjà mort. Bon, c'est pas bien grave, on vient de commencer. C'est pas ça qui va nous démotiver, tu vois. Mais du coup, ouais, le mec qui lance la lance là de 3 millions de kilomètres de distance et qui nous touche en plein cœur et qui nous tue. Juste au moment où on prend la boîte de Pandore, c'est un peu... C'est un peu tiré par les cheveux cette histoire. Hein. Ah ouais, ça c'est bien ça. On va augmenter notre magie, parfait. Ah, on est au maximum, je pense. Là, on est tout au maximum. Et là, il y a quoi? On va aller par là. Après, on va aller à gauche aussi, parce qu'il y avait des trucs à gauche, non? Regardez, là, il y a un coffre. Oh putain, c'est un labyrinthe, les gars. Il y a des gens qui tombent à chaque fois. Alors là on peut monter là en haut. C'est ce qu'on va faire après. Mais
J'avais envie de voir par là, il y avait quoi. Je suis un mec comme ça, hein. Je suis un mec curieux. Ok, donc il y avait strictement rien ici. C'était la petite baise du truc. Il n'y avait rien. Non, bon, je vous coupe jusque quand j'arrive, j'ai pris tous les coffres et tout et que j'arrive là-bas. Ok, les gars, on se reprend là. Ok. Oh putain, des ennemis. Des archers de... Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas des archers. C'est pas des putains d'archers. Oh là, mon gars, tu vas te calmer, toi, petite salope. Petite saloperie, va. Pas que j'oublie de me protéger, les gars. C'est très important. C'est très important. Oh putain, je dis, faut pas que j'oublie de me protéger, je me protège pas. Ok, je les ai eu les trois. Ces ennemis là, ils ont pas l'air très très simples à tuer non plus, hein. C'est pas la rigolade, hein. Allez! Ok, bon, j'ai quand même perdu des PV, hein. Putain de merde. Hein. Alors là, putain, je sens qu'il y aura des ennemis de fou ici. Oh non, c'est vrai. Oh putain, il y a ces trucs là. Ça, ça sent la coupure, mais de loin. Parce que je vais galérer dessus, je le sens. Alors c'est quoi par là? Rien du tout, tu te fais baiser, tu vois. Là, il y a un petit coffre. Ah. Et je sens que si je tombe, je vais recommencer tout du début. Enfin, pas tout du début, mais de là où... Enfin, vous avez compris. Enfin, moi, je me suis compris. Ah, on va avancer, hein. Toi, petit enculé, tu vas fermer ta gueule. Ah, il est résistant, lui, hein. Il est plus résistant que les autres. Que ceux du monde réel. Alors, on va regarder un peu nos orbes, quand même, parce qu'on en a 3000. Notre but, c'était d'améliorer ça au niveau 3, je pense. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il nous reste combien encore? On a l'épisode 15, là. Il nous reste peut-être encore 2 épisodes, hein, et on a fini le jeu. Hein. Comme ça, vous savez. Oh, putain. Comment je vais passer ici? Ah! Alors le coffre là-bas, clairement, je m'en fous. Comme ça, vous savez. Oh putain, les gars, quel bourbier. Celui-là, il va trop vite, mais comment je vais faire? Aïe. En plus, là, ça... Non. Je rigole, tu deviens fou. Oh toi, oh, 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 oh. Calme, petit enculé. Ah, je reprends là, c'est cool. C'est cool. Par contre là, ça va pas être trop cool, hein, pour moi. Ok. Ok, my girl. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais rien du tout, mais rien, putain. Ils nous mettent des trucs comme ça qui servent à rien. Alors c'est quand que tu t'arrêtes, toi? Est-ce que tu t'arrêtes un jour? C'est ça le truc. Parce qu'à un moment il s'est arrêté. Non, je suis pas fou. Je suis pas dingue, les gars. Oh. Non. Quel bourbier, putain de merde. Mais toi, tu dois te calmer, mon gars. Sérieux, quoi? Je, à peine je repop, tu commences à me défoncer comme ça. T'es fou. Bon. Oh, le skill. Le skill. Là, vous pouvez rien dire. Hein. J'ai passé directement. Non. Nalchetan. Putain, mais ce mec, c'est... Il est chaud, lui. Hein. Regardez, il me défonce. Fils de pute, va. Ah, merde, c'est une pute, tu sais. Bon. Bon.
Là on connaît. Là on connaît, tranquillou. Voilà, hop. Voilà. Par contre ça il nous reste un quart de truc à passer et j'y arrive pas. Ok. C'est que pour des coffres ici. Mais non. Ne me dis pas que c'est que pour des coffres ça. Attends, des harpies de feu ma gueule. J'ai pas fait tout ça que pour des coffres quand même. S'il vous plaît. Oh putain. Je vais en chier hein. Ok, prenons. Toi tu dégages, putain c'est bon. Bon les gars, c'est quoi là, putain? Pourquoi y a rien ici? Clairement moi je m'en fous hein. Je reviens pas ici hein, si je tombe hein. Je vous promets hein. Ça c'est dit clair et net hein. Regardez moi c'est dans quel bourbier je suis. Putain je l'ai fait en arrière ma gueule. Putain. Où est-ce que je dois venir ici? Là-bas y a rien, tu vois. Alors ce truc là il est trop vite, il est trop rapide, je peux pas sauter maintenant. Je vais attendre qu'il ralentisse, voilà. Très bien. Ok. Ouh. Vous les connasses là, vous allez pas me faire chier longtemps. Ah moi je vous le dis. Ah moi je vous le dis. Gros. Gros. T'as calmé hein. Ah je vais te baiser hein. Gros. Ça c'est dréré à l'école, tu sais bien quand ils font dréré. Je vais te baiser hein. Gros. Ferme-la toi aussi. Ferme-la putain. Oh que je suis énervé aujourd'hui les gars. Je suis vénère ma gueule. Autant j'étais calme les derniers épisodes parce que j'étais malade, autant là je suis baisé, tu vois, dans ma tête. Je suis toujours un peu malade, mais tu vois, c'est... T'as compris. Ah non. Me dis pas que je recommence du début, quand même. Tu vas pas me faire ça, ok. Alors, vous allez vous faire foutre, hein, clairement. Tu vois, putain, le jeu il a bugué, je me suis fait baiser, tu vois. Putain de merde. Alors vous me laissez bien tranquille. Putain si je les tue pas ils peuvent me... Non. Il y a moyen de passer sans les tuer. Je vais vous montrer, je vais vous prouver que j'ai raison. Oh putain. Quel enfant. Me dis pas que je vais être obligé de les tuer parce que sinon ça va petit à petit me gonfler. Putain les lames de l'enfer ma gueule. Oh putain. Non, pas de mode facile. Ah, le micro, il est tombé. C'est pas grave. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, écoute, tant mieux. Prenez ça dans vos gueules. Putain, ce rouleau, mon gars, qui tourne. Ok. Alors, je prends des PV au dépouvoir. Moi je vous dis, je prends des pouvoirs, des PV. Parce que les PV c'est quand même plus important, tu te fais défoncer des fois par des lames, par des trucs, tu vois. Des trucs à s'enfuir. Par des lames. Tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, il y a des arches. Oh putain. Allez, on reprend des forces et on y va. Ouvre-moi ce putain de coffre. C'est parti. Hop. Je suis chaud. Ah! Bande fils de pute. Ah, putain de merde. Ouh. Ah! Mais ça va être compliqué. Comment je vais passer avec ces putains d'archers là? Mais les gars, Mais chope cette merde, putain.
Oh, oh, dis. Allez. Bon, on se concentre, s'il te plaît. On se calme. Tiens, tiens, fils de pute. Putain. Ah les gars, mais c'est ce niveau de l'enfer. Mais c'est le niveau de l'enfer, c'est clairement le nom. Parce que c'est clairement l'enfer là, tu vois. On est dans l'enfer. Et les trucs, mon gars, qu'on doit faire ici, c'est scandaleux. C'est indécent. Alors, jusque là, ça va, tu vois. Mais après là, mon gars, comment les avance rapidement, c'est... Oh putain. Encore une, les gars. Encore une plateforme. Non, j'ai pas fait ça. Putain de merde. Il restait une plateforme. Nalchetan, putain de merde. Allez, voilà, tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus, bande de connards. Vous avez que ça à faire, de toute façon. Ah. Ah. Ouf. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je perds des PV, mais... Ah, c'est bon. Bande de fils de pute. Tiens, je vais niquer vos mères maintenant. Oh là là, je vais niquer vos... Ah. Tiens, dégage. Dégage toi aussi. Tiens. Tiens. Toi, petit connard, tu vas pas faire long feu. Tu vas pas faire long feu. Tiens. Oh, c'est qui, lui? Oh, tu vas te calmer. Putain, minotaure de feu, là. On va en premier niquer l'archer parce que il reste très chiant. Hein. Alors lui, est-ce qu'on peut le truc là, le pétrifier là? À mon avis, it's possible, hein. It's possible, hein. Oh yeah, yeah, motherfucker. Oh yeah. Yeah, my nigga. Tiens, toi, tu vas vite te calmer, ça va. Ça va. Sinon, je vais me montrer de quel bois je me chauffe. Allez, on va monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, oh, il y a un autre côté là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, ça sent la merde. Ah, j'ai failli tomber. Il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Hé, hé, hé. Il est malade ce mec. Tiens, dans ta gueule. Ferme-la maintenant. Ici, bon, ici, il y a juste un coffre, hein, clairement. Je pense qu'on va pas se casser les couilles. À se faire chier pour ça. Quoique si. Parce que c'est quand même des coffres, hein, les gars. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la fête? Mais c'est la fête ici. Allez, ferme-la. On va prendre des PV. Les PV, je pense, sont clairement plus importants dans ce niveau. Je sais pas pour vous, mais pour... Oh, mais putain! C'est rempli de gens, là. Eh, hey, les gars, oh... Faut pas me prendre pour un con non plus, hein. Fermez-la, les gars, j'ai... Oh, non! Je dois tuer tout le monde! Quel enfer. Alors, là... Alors, là, c'est ballot, hein. Vous allez tous la fermer, d'accord, ok. Toi, je vais te pétrifier ta mère la pute. Ok. Dites pas qu'il y en a encore un, mais putain. Les gars, ce niveau, mais putain de merde, quoi. C'est ouf, hein. C'est clairement... Tombe, voilà, tombe. Dégage. Oh putain, il y a encore un étage. Oh là là. Putain, les gars, quel enfer. Vous savez quoi? Voilà, super gladiateur en mode... rien à foutre. Rien à foutre. Je vais me transformer en gladiateur parce que non, là, les gars, ça va être trop chiant. Voilà. En plus, je suis sûr, il y a encore des taureaux qui vont apparaître là. Même pas. J'espère que le checkpoint, c'est à partir de là. Oh putain. Oh putain, la galère. Ça va être la galère, ça. Je le sens. On prend des PV.
Putain, les PV, les gars, c'est, je sais jamais. Oh putain de merde. Oh putain, ce truc, je sens que je vais y passer, mais des multitudes. Non ! Ah ouais, c'est à peine tu touches quoi, t'es baisé, tu vois. Même tu touches le côté plat du couteau, sache-le que t'es baisé, t'es aussi baisé, tu vois. Ça coupe autant que le côté de la lame, hein. Sachez-le, si vous ne le saviez pas, et ben vous avez appris ça avec le jeu, maintenant, tout comme... Oh putain, les gars, ça va être compliqué. Oh là là, que ça va être compliqué. Ça va être très, 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 très chiant. Je vous le dis. Je vous l'annonce. Putain, mais quelle est leur idée de mettre des trucs comme ça, franchement. Aïe. Aïe. Monte. Attention. Oh là là. Allez, Kratos. Non, mais non, s'il te plaît. Putain. Ah là là, putain de merde. Je pense que je vous couperai, hein, sûrement, si ça dure trop longtemps. Parce que de toute façon, après ça, on va se quitter. Parce qu'on est déjà à 30 minutes presque. Enfin, déjà, ouais, sûr. On est déjà à 32 minutes, plus ou moins. Ah non, je vais vous couper. Je vais vous couper cette partie, je vais vous épargner ça parce que ça va être la merde. Je dois faire ça 40 fois pour apprendre le chemin qu'il faut faire, tu vois. Parce qu'il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin. Il y a un chemin à faire, un chemin spécifique à faire. Si je me laisse aller vers là, non, il n'y a rien. Il y a un chemin spécifique à faire et là je perds de plus en plus de PV. Tu vois. J'ai peur de mourir et de devoir tout recommencer, donc tout tuer les mecs et tout là. Oh là je suis dans la merde. Voilà. Voilà. Je me fais défoncer 4 fois de suite. Tombant. Ce truc c'est l'enfer, hein. Ouais, je vous promets, hein. Voilà, même pareil que tantôt, j'aurais dû attendre, putain. Waouh. Hey. Waouh. Comment je suis mort. Bon, je vous coupe à partir d'ici et on se retrouve en haut. Ou bien non, je vais faire mieux. Je vais déjà arrêter l'épisode ici, je vais monter et on se retrouvera en haut. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à tous de suivre cette série God of War, même si c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. J'avais peur de ça, que je fasse ce jeu là et qu'au final personne le suive, parce que c'est un jeu qui a déjà été beaucoup fait. C'est un jeu qui est sorti il y a plus de 15 ans, enfin il y a 10 ans, plus de 10 ans. Donc voilà, en tout cas merci à tous ceux qui commentent, ceux qui like. Abonnez-vous, on est presque à 400 abonnés les gars, on est à 392 je pense. Donc encore même pas 10 abonnés, on est à 400. Donc voilà, abonnez-vous, merci à tous, c'était Lucas Certé, on se retrouve très bientôt. Ciao les gens.